Bon allez, on part sur Escape Club. C'est parti. Et toi, t'as rien vu quoi? Non mais toi, t'as vu qu'on vient de faire? Ah, Ah, c'est notre âme purée! d'or. Mais non, mais c'est toi qui as mis une bouteille entière. Mais non, pas non, mais attends. Je n'ai fait qu'observer. Non, t'as oublié le code. Non, non, attends. Je viens d'emménager et ils viennent déjà de changer. C'est con. Il y a pas quelqu'un qui peut t'ouvrir? Bah non, je connais personne. Et à 4h du mat, ils vont juste appeler les flics. Non, non, t'inquiète, j'ai trouvé. Je sais qu'il y a... Mais ton code sur ton tel! Trois chiffres, genre B240, un truc comme ça. Ça fait un paquet de combos, là. Attends, je m'étais trouvé un moyen mnémo... Mnémo technique. C'est ça, technique. Ils ont mis le nouveau code et je me suis dit... 7 et un 9. Et? Et c'est tout. Waouh, donc tu t'es dit, tiens, c'est un nouveau code, et tu pensais que ça allait t'aider à retrouver l'ancien. Étonnant. Quoi? Okay. En gros, elle a dit c'est A, c'est A9. Elle a dit que c'était un truc mémotechnique. Il a dit que c'était B et trois chiffres. A, C, 1, 9. C'est ça. Attends. A, C, 1, 9. Quoi? A, C, hop là. À 7 à 9. Oh là! Horrible. Sympa de m'héberger, hein. J'étais vraiment plus en état de prendre la voiture là. T'inquiète, pas de problème. Et puis t'es pas née sa marraine dès la soirée d'intégration. Je marque des points, non? Carrément. Sauf si tu ronfles. Là, c'est éliminatoire. T'inquiète, j'ai rien vu. Par contre, je vais te réveiller dans 2 heures pour réviser. Tu déconnes. Non, on verra. J'ai rêvé ou t'as flashé sur Léo à la soirée? Léo? Quel Léo? Donc j'ai pas rêvé. Et si tu veux le pécho, va falloir faire vite, hein. Il y a beaucoup de monde sur le coup. Ouais, ok, laisse-moi. Oh non! Quelqu'un a dû l'échanger la soirée juste avant qu'on parte. Et pourquoi? Attends, fais voir. Attends, t'as vu le fond d'écran là? C'est celui du gars. C'est ici, c'est l'ascenseur. Quoi? C'est quoi ce délire? C'est bah, quoi ce bas de C? C'est chelou! On dirait une sorte de jeu d'énigmes. Bah, tu sais, normalement, c'est ça. 9, 7, 5, 3. Yes. Un 7. Quoi? Quelle application en vrai? Shazam. T'as les notes peut-être. Yes. Frappez avant de sortir 2 fois à gauche et 1 fois à droite. Sur la bonne voie. Laquelle? Parce que là, on ne remonte pas, on redescend.
C'est pas super cool en fait. Oh shit. Sauf qu'elles sont plus du tout dans l'appart là. Donc du coup, sur l'application, il y a marqué deux gauches, un droite. Ok. Et du coup, gauche, gauche, droite. Attends, là, c'est inversé. Yes. Ouf. Escape Club. Tu vois, c'est un jeu. Un escape game. Super. Et le cadenas? T'as le code? Ben non. Bah cherche. Toi qui s'y maline. Cherche l'indice. T'es marrant toi. L'indice. Je vois rien ici. L'indice. Oh, elle est trop forte! Ça fait flipper personne, genre ils sont dans un truc pété comme ça, ça... N'importe quoi. Genre t'as des salles faites pour ça, eux c'est la vraie vie, genre. Quoi? Ouais. Ouais, ok, je lui dis. Non, c'était un jeu fait pareil. Tu viens officiellement de passer la première étape pour intégrer le très select et très privé Escape Club. Bravo. Mais non. Et l'Escape Club, c'est quoi exactement? C'est le club le plus prestigieux de l'école, l'élite. Tu bénéficieras de tout notre réseau. Alors, sur ta fiche d'inscription, j'ai vu que t'aimais bien jouer. C'est vrai que t'as l'air assez doué. Tu vas voir, tu vas t'éclater. Champagne? Non, merci. Et ça commence quand votre truc? Bien assez tôt. Bonne chance à toi. C'est le feu, gros. Pour l'instant, c'est le que je kiffe le plus. Dans toute sa vie, c'est un escape. Salut Nora. Je savais pas que ce genre d'endroit était ouvert en journée. C'est privatisé. Rien que pour toi. Mais je t'ai pas laissé encore entrer. Est-ce que tu as le mot de passe, s'il te plaît? BRC. Alors, Dark Mirror, 5h, dress code sexy. Ok. Attends, merde. Abracadabra. Abracadabra. Le mot magique. Entre. J'ai peur, hein. C'est chelou votre truc. T'imagines même pas. T'es prête? À quoi exactement? Première épreuve de l'escape club. Je vais sortir,
Je vais t'enfermer ici, dans ce club. Et toi, t'as exactement 10 minutes pour trouver une autre sortie, sinon t'es bloqué. Ton portable, s'il te plaît. Et si j'y arrive pas? Ou si je veux arrêter le jeu? Mais si, tu vas y arriver. Tu peux laisser ton manteau ici, hein, t'auras pas froid. Sur le SMS, il y avait un dress code pour coller avec le thème de la partie. Tu l'as pas vu? Si. C'est ce que j'ai de plus sexy. Je m'en doutais. Tiens, t'en auras besoin. T'inquiète pas, c'est pas un sextoy. Bon bah, je te laisse. Bonne chance. Nora. Nora. Ok. Alors Nora, c'est 2, 8, 5, 4. Oh, je suis trop fort. Comment ça comprend un peu leur jeu? Marqué derrière Tom. Tu t'appelles Tom. Salut Nora. Je te sers quelque chose. Champagne? Non, non, j'ai pas soif. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je sais pas, me faire sortir d'ici. Déjà, on vient à peine de se rencontrer. Tu as un petit ami? Non, j'ai pas de petit ami. Pas de grand non plus. Surprenant, belle comme tu es. Tu préfères les filles? Non, je préfère pas... Ok, en fait, je vais pas répondre à ça, à moins que c'est ça l'énigme. Tu veux une énigme? J'en ai une pour toi. Danger. Alors, ton joli corps en possède des milliards, mais c'est dans une seule que tu finiras, si tu n'es pas sage. Attends, ton joli corps en possède des milliards, mais c'est dans une seule que tu finiras si t'es pas sage. Yes. Une cellule. Bravo. Je gagne quoi? Ça. Sur les yeux. Et après? Et après, je te dirai bien, tu verras, mais ce serait de mentir. Et si je veux pas? Tu
sors pas. C'est la dernière épreuve. Tu mets le masque, tu tâtonnes dans le noir et peut-être tu trouves la sortie. Eh ben, elle a fini dans une cellule. Yes, c'est le dernier épisode. Out of quoi? Out of order. C'est bon. Ah ok. Je pensais que c'était le chiffre à l'envers. Bravo Nora. Tu es vraiment très douée. Très douée pour te laisser enfermer dans une cellule. Pour en sortir, on va jouer. C'est toi qui vas jouer. Mais ce n'est pas toi qui vas gagner ou qui vas perdre. Non. Je vais plus jouer. Laissez-moi. Non mais c'est bon, c'est quoi cette blague de mauvais coup, sérieux? C'est bon, ça suffit, c'est pas drôle, je veux juste sortir, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Vous êtes des grands malades, Angèle. Vous êtes complètement malade, mais laissez-la. C'est pas drôle, non. On n'a jamais dit que c'était une blague. Lâchez-moi. Bien. Tu dois deviner un mot. Pour cela, tu proposes des lettres. Une par une. À chaque fois que tu te trompes, la potence du pendu se dessine. Si le dessin est terminé avant que tu ne trouves le bon mot, tu as perdu. Surtout Angèle. Allez, premier indice facile pour une première lettre, qui est celle qui monte et qui descend. Facile. Un peu plus dur peut-être. Une petite poule sur un mur est perdue et un tout pendu. Picotti, picota. La petite poule ne voit pas la bonne direction qui est la tête en bas. Le M. Voilà. Faites la tête en bas, elle se retourne. Quel talent, moi. Allez, encore un petit effort. Angèle et toi avez tant de choses en commun. Ce serait vraiment dommage que tu t'en rendes compte trop tard. Dis-moi maintenant ce que l'on peut pointer en premier chez elle et en dernier chez toi. Le A. Angèle, le premier chez elle, le dernier chez moi. Quoi? Ah. Le A. On a le A en commun. C'est bien. On fait une petite pause maintenant. Ça peut être 5 minutes, ou 5 jours, ou 5 ans. Quoi? Prends ton temps. Et si tu veux faire un petit somme, n'hésite pas. Thank you.
Le S de serpent. Le S? Oui, on y est presque. Tu as presque gagné. Angèle est presque en vie, mais presque morte. Il manque juste une lettre pour trouver le mot. Allez, Nora, réfléchis bien. Trouve et donne-moi simplement la dernière lettre. Où sont la dernière lettre de l'alphabet? Le Z. La dernière lettre de l'alphabet, le Z. Nous y voilà. Tu as toutes les lettres. Tu vas pouvoir me proposer un mot et un seul. Dans le mot que tu cherches, une de ces lettres est en double. Ne te trompe pas. Je crois que tu as bien compris maintenant la conséquence de tes erreurs. Je vais te chanter une petite chanson. Si tu ne trouves pas le mot avant la fin de cette chanson, Angèle est morte. D'ailleurs, ce mot te servira à trouver le titre de cette chanson. Mais non, mais je connais pas. Vas-y, je prends un indice, hein, je m'en fous. C'est aussi le nom d'une appli qui te permet de trouver le nom d'une musique. Shazam! Évidemment. Allez, fini de jouer. Rentre gentiment chez toi maintenant. On te contactera pour la suite. C'est des malades! Quand ils m'ont pendu, c'était trop drôle. Mais quoi, t'as gagné? Tu fais partie des nôtres maintenant. Bienvenue à l'Escape Club. Putain, yes! Il était pas mal celui-là. Il était un peu plus dur, je trouve, que les autres. Mais il était vraiment pas mal. Bon allez, dites-moi dans les commentaires le prochain que vous voulez.